Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 14, la carrière avec le RC Lens. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Donc on a l'épisode précédent, dans ce match d'ailleurs on va faire un match à l'extérieur en championnat contre Montpellier. Après on aura un match de coupe, le 8ème de finale de Coupe de France contre Evian Thonon-Gaillard. Et on aura un match de poule contre c'est qui déjà, la République Tchèque. En qualification de la Coupe du Monde 2018. Voilà, 2018. Donc voilà, on fera ça. On fera ça. Allez. Voilà, on est toujours premier du championnat. Ça va très très bien. Les gens peut-être seront fatigués. Peut-être un petit peu. On va jouer en blanc. Et on va faire jouer notre nouvelle recrue. Monsieur Steven Zuber. Steven Zuber. Ce côté gauche. On va mettre Monsieur Azez dans le match. Romagnoli est fatigué, on le savait ça déjà. Alexandro est un petit peu fatigué, on va mettre Gavaro, on prend pas de risque. Hein. Gunning est un peu fatigué. Allez, on va faire une équipe du semi-bis. Chavaria est un peu fatigué, on va mettre du Berardi. Merde, Berardi qui est plus fatigué que Chavaria, ce qui est assez bizarre. Hop, et on va aller jouer comme ça. Ducas est un peu fatigué, Milik est fatigué. On va faire jouer Monsieur Sally. Ça lui fera, je pense, très plaisir. Et Monsieur Cantero qui est toujours un peu dans le rouge. Ouais, qui est toujours un petit peu dans le rouge. Allez. On joue en championnat. On a un match dans 2 jours de coupe. On pourrait peut-être pas l'oublier. Allez, on va faire jouer Egon, ça lui fera très plaisir, je pense aussi. Et on va faire jouer Cantero, on va mettre Cantero sur la feuille de match. Romagnoli est fatigué, mais on n'a pas d'autre défenseur central. Si on a Gunning qui va mieux. Et Johnson est fatigué. On va mettre Cyprien, allez. Par pur guac. Et on va donc tester ce Steven Zuber. Steven Zuber, tireur de loin, tire en finesse, un dribbler. Ok. Et des bonnes caractéristiques, des bonnes stats, plutôt intéressantes. C'est pas un défenseur, c'est pas ce que je lui demande. Et attends. Il pourrait faire un pas mauvais tireur de coup franc, lui. Parce que je vois qu'il a quand même des stats de coup franc pas trop mauvaises. Hein. On va tenter. On va voir. On va partir pour ce match. Voilà. On va tester notre nouvelle acquisition pour 7 millions. Je trouve que ça valait le coup. C'est quasiment ce qu'on a vendu chez Richef pour un joueur qui est meilleur. C'est un nouveau rendez-vous de football. Je trouve que c'est une bonne affaire. Avec Franck Sauzet qui vient de me rejoindre. On a acheté un joueur. Attends. Bizarre que l'AI me l'ait vendu comme ça. À ce prix-là, surtout. Merci d'être à nos côtés pour suivre cette rencontre. Nous sommes en direct de Lens. Bonjour Franck. Bonjour Hervé. Toujours ce public formidable. Quelle ambiance. Et sans doute. Non, on n'est pas. On n'est pas à Lens. Tiens, Zuber pour son premier ballon avec son nouveau club pour le centre. Ouais, moi. Il a été tenu par le maillot. On peut pas trop lui en vouloir là. Il est à la récupération au milieu de terrain. Allez, Zuber sur le côté. Oula. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Bon, Egon là-haut, Egon qui va laisser prendre le couloir par Legion. Legion, Egon, c'est un peu la même chose. Et le centre, la tête et le but de Salut. Pour l'ouverture du score à la 10ème. Ce très bon centre de Legion sur le côté là. Et la défense qui s'était en train de se marcher dessus, le défenseur là. Et l'ouverture du score de Salut, de la tête. Totalement what the fuck. Ah, c'est vrai que j'ai mis la casette devant, je me souvenais plus. Ouh, la casette peut-être. Waouh, c'était chaud.
Ouais, la faute. La faute. C'est sévère, monsieur l'arbitre. Non, qu'est-ce que tu me fais? J'ai pas compris pourquoi il est allé faire la passe là, alors que bon. Allez, pour Zuber. Zuber qui renvoie Sali dans la profondeur. Sali qui s'avance. Sali qui se retourne. La frappe de Sali. Et ce sera le corner. J'ai fait un peu du caca là. Allez, Azès. Azès au coup franc pour Nachos. Allez, pour Gavaro. Gavaro, c'est un petit peu loin ça pour Sali. C'est un petit peu loin ça, monsieur Gavaro. J'ai un petit peu trop forcé sur la transversale. Wow. Seul arbitre. Allez, Egon qui est parti totalement dans l'axe. La frappe de Egon qui est contrée. Il avait trop mis sur le gardien. Parce que là, normalement, la frappe qu'il aurait dû mettre, ça aurait dû partir totalement hors de portée du gardien. Et la faute, oui, la faute. Tout à fait exact. Il y a Nachos qui renvoie. Allez. Ah, Zuber. Dommage. Bien joué, Gavaro. La bonne couverture défensive. Non, c'est quoi cette vieille passe? Oh, attends. Et là, l'arbitre qui simule une faute, tu sais. Alors que le joueur, largement 2 ans avant, il a pu voir là le tacle arriver, tu sais. Ouh! Zuber, il a pris un méchant. C'est Zuber, Zuber. Derrière jeu. Le ballon qui passe à travers. Bien joué, Zuber. La bonne gêne, là. Excellent, là. On récupère haut, ça fait plaisir. Allez, la casette qui est bien lancée, là. La frappe de la casette, c'est contré. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps 1-0. Numéro 16, Zuber. Bien sûr, hein, ce but marqué assez vite leur a donné confiance et a fait douter l'adversaire. Et alors que la seconde période va démarrer, le Racing Club de Lens, on le rappelle, qui mène au score à la mi-temps. Le petit avantage des Lensois. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est le genre de truc que tes joueurs ils font, mais que là ils font pas ces vieilles passes dégueulasses là. Bien joué, Lijon. Très très bien joué cette récupération. Ça, c'est bien joué aussi. Oh, ça aurait dû être récupéré ça. Zuber, il aurait dû l'avoir celle-là. Oula. Bon, vous voyez un boulet de canon là. un boulet de canon, ils m'ont envoyé du casse là. Comment il a pu la passer là? Elle passe pas la balle là. Il l'a passé entre les jambes de mon joueur. Un
Allez, touche pour nous. Changement, est-ce qu'on fait pas des changements? Non, on fait pas de changement. Il fait ce qu'il faut pour. La casette. Hey, tu vas te calmer le sexe un peu, mon garçon, là. Allez, le couloir pour Zuber. Zuber, c'est Zuber. Le couloir, peut-être le... Non. J'ai voulu centrer, mais il n'a pas centré. Le centre, là, peut-être. La tête. Oh, la casette de la tête. Ça aurait pu. C'était pas loin, dommage. Hein. Il aurait pu la mettre croisée, mais il n'a pas assez bien croisé. Parce qu'on fait des petits changements. Igon est un peu fatigué. Allez, on va faire jouer Xavi Chavaria. Zuber est un peu fatigué, mais on va lui laisser faire le match. Qui c'est que j'ai au milieu? Azès Ducas. Ouais, ça marche plutôt bien. Bon, allez, on va laisser le reste devant. Allez, on va faire tout ça avec ce changement. Il faut tenir. Il faut surtout aller marquer. Parce que là, ça fait que 1-0. Il faut faire le break. Face à cette équipe de Montpellier. Allez, bon. Non, c'était pour la casette. C'était pas pour le Montpellier, hein, bordel. C'est quand tu veux, Zuber. J'aurais pu lancer une bonne petite passe derrière pour Chavaria, mais... La frappe! Elle n'est pas déviée? Oh, elle est dévissée. Dommage. Dommage, j'aurais dû centrer. Je vais foutre le bordel dans la surface. Allez, peut-être une bonne occasion. Et c'est stoppé. La Kassali, l'équipe à domicile qui revient. Allez, Zuber qui prend le dessus. La frappe de Zuber. La frappe, la demi-volée, magnifique. La casette qui marque à la 81ème. Oh là, la casette est coincée. Il est coincé, la casette. Zuber, il est coincé maintenant. On va chercher le ballon. On va pousser le ballon et filer, c'est le deuxième but. Et la première passe décisive de Zuber, hein, c'est pas le contrôle qui sort de nulle part, tu sais, de la casette. Hop là, le contrôle qui sort de nulle part et la frappe enchaînée. Elle était bien frappée, celle-là. Elle était pas mal. Comme Véronique? Non. J'arrête. Oh! C'est une faute mélançois. Ouais, ça va, hein, tu vas calmer ton sexe, l'arbitre. Hein. L'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Alors, on va procéder à un changement. Samson. Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que. Attention, la frappe! Ah, ça passe à côté. Ça passe à côté. Comment ils ont pu passer à côté, d'ailleurs? Comment ils ont pu la mettre à côté? J'ai pas compris. Il a totalement raté, si on n'a même pas eu de ralenti. Allez, Zuber, là-haut. Zuber, je veux jouer sur lui, moi. Je veux jouer sur lui. Ah, dommage. Il l'avait presque, en plus. Voilà, la vieille passe totalement improbable. Allez, Zuber, il va renvoyer derrière. Exactement. C'est fini. C'est terminé. C'est la victoire 2-0.
On a finalement marqué le deuxième but. Et Zuber qui a été pas mal. Ça comptait pas décisif pour Zuber. Une pour Lijon et une pour Nachos. Pourquoi une passe décisive de Nachos? Bon. Tu vois Monaco qui gagne 5-0 contre Nantes. Pekker. Proposition de transfert. Alexandre Lacazette. Suzo refusé. Espèce de bâtard. Dernière offre. 1 100 000, c'est ma dernière offre. 110 000, c'est ma dernière offre. Pour Alexandre Lacazette, 6 millions. Je rejette. Je garde Lacazette cette saison. J'en ai besoin de monsieur Lacazette. Du coup, on va. J'ai l'impression que Suzo, il est pas très chaud. On va regarder qu'est-ce qu'on peut se prendre. On va tenter le 4 millions. Parce que l'on est fou. Ou alors on va tenter le. Même pas une estimation. 15 millions. 60 000 de salaire. C'est parti. On commence à 10. Junior Malanda, 10 millions. On pourra suivre le salaire parce qu'il n'y a que 60 000, on a 160 000, donc on a quand même la marge. Je vais rappeler, en sélection, il y en a de plus en plus. Ça fait plaisir. Inacceptable, 6 millions, refusé. Suzo, tu vas te faire foutre. Et Wolfsburg qui accepte à 10 millions. On va lui mettre, voilà, ça, pour 4 ans, un titulaire indiscutable. Et ça peut jouer, on a Wellington Silva aussi, c'est vrai qu'on a... Et c'est un milieu gauche aussi. C'est un milieu gauche. J'ai pas. On va regarder vite fait ce qu'il y a sur la liste. Il y a plus de 150 joueurs sur la liste. D'accord. Un milieu. Qu'est-ce qu'il y a en milieu sur la liste? Pas ce garçon là. Ouais, non. Tiens, je sais que lui. Non, c'était pas lui. Lui, il a pas l'air mauvais. Pas très très fort, mais. Mais il est vieux, lui. Ouais, il reste pas grand chose, quoi. Hein. Il reste pas grand chose. Milieu droit en Bundesliga. Et en tout. Qu'est-ce qu'on pourrait aller piquer par-ci par-là? Ah, je sais qu'il est pas mauvais ce garçon là. On va s'informer. Surtout après 4 ans, il doit être quand même assez bon maintenant. Je connais pas ce garçon. Ça me dit rien du tout. Je ne connais pas du tout. On va s'informer, sait-on jamais. Ça va être un petit peu cher. Non, mais on n'a pas le salaire. Non, après sinon ça va faire trop de différence entre certains qui gagnent un montant et d'autres qui en gagnent d'autres. Farfan, mais un peu vieux Farfan.
Il est un peu vieux, Farfan. Robben, il est un peu vieux, Robben. Ça va, on peut avoir des joueurs. On peut tomber sur des jeunes, hein, comme ça on sait on jamais. Allez. J'ai un usage, hein. Vous avez été souvent à me le demander. On va voir. Hein. Redmond, j'en ai entendu parler. Bah Suzo, mais il a pas voulu ce bâtard. Clinton NG. Oh tranquille, le mec il joue à Chelsea. Il est pas mauvais Miyashi aussi. Isgrove, mais je l'ai avec ma carrière sur Leighton. Victor Moses, tiens, signé expiration de contrat, mais ça va valoir une fortune ça. 70 000, c'est jouable. On va s'informer comme il ne reste pas beaucoup de temps. Henri CV qui est à Manchester. Théo Walcott, tiens. Ça fait un peu cher au niveau du salaire. Putain, il a une photo tout à fait bizarre. Ben Arfa. Non, ça va faire trop vieux, là. Ça va faire trop vieux, là. On va aller chercher... en Liga BBVA. Et on va acheter Lionel Messi... Non, c'est pas classé par âge, je le disais aussi, c'est bizarre. Lucas Andersen de Ajax pour 10 millions. Je connais pas. Real Madrid Castilla, ouais. Di Maria, il a 28 ans. Merde, ça fait un peu vieux après. Pas facile de trouver des gens connus. Au bout d'un certain temps, ça commence à se faire un petit peu rare. Et le PSG, ils ont acheté qui alors? Hassan Plea et Bossetti toujours au même endroit. Parage, s'il te plaît. Mbaye Diang. Va demander Kelvin. Ouais, je me disais bien Kelvin, ça me dit rien de spécial, mais il est récemment arrêté. Ils font des gros investissements quand même, Marseille. C'est assez incroyable tout ce qu'ils peuvent acheter. Lucas, putain, sérieux, il est payé si cher que ça, c'est abusé. Riyad Boudbouz, il est pas mal aussi. Pas mauvais ce garçon. Javier Pastore. Romain Moumat. Il a 29 ans? Raccroche les compenses cette saison? Non mais... non mais... à 29 ans quoi. À 29 ans, le mec il raccroche les crampons quoi. Tu te sens plus? C'était simple de jouer. Nani. Comme le Nani de Manchester. C'était bien ça. Voilà.
Putain, mais Marseille, mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent, quoi? Jimmy Briand. Ouais, mais ça fait trop vieux, là. Il reste plus grand-chose, en fait, hein. Il reste plus grand-chose. Ouais, il reste pas grand chose. Hein. Tiens. Ils sont partis où tous les joueurs? Parce que bon. Vous allez me dire qu'en milieu droit, dans toute la Serie A, il n'y a que ça. Ouais, mais c'est trop vieux, là. Attends, je veux pas des papis, moi. Bakali. 21 millions, alors, ça fait un peu cher. Ils vont jamais vouloir me le vendre. Ils vont jamais vouloir me le vendre. Ouais, je crois qu'on va faire avec ce qu'on a trouvé déjà. On va faire avec ce qu'on a trouvé. Tant pis, tant pis. On va bien voir ce qu'on va nous dire. Edgarier. Il est pas à vendre, Edgarier. Non. Pourquoi je le vendrais? Il est bien, Edgarier. Edgar Sali. Junior Malanda. C'est un cadre, blablabla, blablabla. Ouais, la dernière fois, il m'a dit ça aussi. 25 millions, d'accord. Ah. Bagnon, mais ils n'ont aucun intérêt à me le vendre, espèce de connard. Je t'en foudrais, moi. Allez, jeune usage. On va tenter, hein. Est-ce qu'on fait les radins? On va dire 3 millions. Alors, Malanda qui refuse. Pourquoi tu refuses, mon cas? Parce que ça te suffit pour changer d'avis. Est-ce que tu vas faire le difficile, toi aussi? Bon, on a fait quand même un bon petit recrutement. Un bon petit remplacement de Chéri de Chef. 2 millions 6. 9 millions. 6 millions, Victor Moses. Ah. José Mourinho qui m'écrit. il n'a pas été mal. Hein. Moi, j'ai joué avec donc du coup avec ma carrière pro. Et je l'ai trouvé pas mal. On va faire les radins. Combien? 70 000 joueurs de rotation d'effectifs. On va taper le 4 millions alors. Parce que nous on est comme ça, nous. Ah. Ah! Et ben voilà. Bim bam boum, je prends. Sans aucune hésitation. On a un nouveau joueur. La personne de Monsieur Junior Malanda, qui du coup n'a plus besoin d'être le cadre de son club pour vouloir jouer avec nous. Du coup, il a vite changé d'avis, le garçon. 81, voilà, qui va bien renforcer le milieu du terrain. Et maintenant, on commence à avoir une bien belle équipe. Là, là on commence à avoir du lourd quand même. On commence à avoir du lourd. On commence à avoir du lourd. Alors, transfert accepté, on va essayer de faire signer Jadusage, hein, parce que tout le monde me l'a demandé. Il nous reste du salaire, on va le taper direct à 50 000 pour pas qu'il cogite trop, le garçon. On va le mettre titulaire important. On aurait peut-être dû le mettre joueur de rotation d'effectif, mais c'est pas grave. Donc, c'est en train de me dire que le Bayern est en train de se faire voler des joueurs. Offre inacceptable, 4 millions. Ouais. 4 millions 5, allez. Il m'avait demandé 6, donc.
Et tu pourrais te laisser convaincre avec un petit 55 000, tu pourrais te laisser convaincre ou... Joueur de rotation effective. Le poste que vous proposez ne m'intéresse pas. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Bon, on a quand même déjà fait un beau mercato. On va se dire ça. Edgar Sali encore. Se rejette. Pas à vendre. J'en ai besoin. Par contre, j'ai bien des jeunes à prêter si vous voulez. Refusez. Écoute, mon petit. Tu vas te calmer le sexe de suite. Tu vas accepter mon argent. Et tu vas la fermer. Ouais, c'est quand même une belle augmentation de salaire là. Oh, on va pas cracher dessus. C'est quoi notre... On va rigoler un peu. 17 millions d'arrivée, 8 millions 4 de départ. Genre quoi. Marseille, 12 millions d'arrivée. Et 10 millions de départ. C'est vrai quand on me dit que j'achète beaucoup de joueurs. C'est pas faux. Efir, oui c'est vrai qu'ils m'ont acheté Efir. Effectivement. C'est vrai que j'achète beaucoup de joueurs. Mais la preuve que finalement ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. On commence à avoir une bien belle équipe. Hein. On a une bien belle équipe. Il faut que je regarde si je peux pas avoir des gens. Une fois que j'aurai fini mes bidouilles là. Une fois que j'aurai. Putain, il y en a qui vont faire la gueule. Hein. Qui gagnent 80 000 et il y en a d'autres qui gagnent que pas grand chose. On a un effectif plutôt jeune. Savaria et Ducasse, normalement ça va se remplacer. Et après c'est 27 ans. Et après ça descend 26, 25, 24. Donc c'est plutôt pas mal. Oui donc, qui c'est qui est Quintero, Gbama, Igon à vendre. À prêter c'est le jeune. Ok, Enemli. Ouais. Ouais. On va peut-être reprêter les jeunes, hein, tous les jeunes. Hein. On va le prêter aussi, monsieur le Zéphane. Là. Et du coup, Igon, on va peut-être retirer de la liste de vente. Pour garder un milieu de terrain de plus. Ça me paraît pas mal. On a un quart de notre effectif qui est apprêté. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, Chelsea accepte. Januzaj accepte. On me l'a conseillé. Allez, on est parti. On est parti. Bah du coup, tu vas être le foutre au cul. Alors, combien il vaut ce garçon? Il est où? Il est là. 74. Il a pas mal évolué. Par contre, il a pas d'endurance, il a pas de force. Bon, on va tenter de faire avec ça. Mais quand même pas mal, Chavaria. Hein. Pas à dire, mais... tu peux jouer que à droite. Ça, c'est con, ça. C'est un peu con. Celle-ci, c'était combien? 4,5 millions, mais je les ai plus. Et ouais, je les ai plus. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on peut pas choper des joueurs. Alors, il va y avoir sûrement un bon paquet. On va dire en première ligue. À 23 ans, jusqu'à 26. Statut de transfert, on s'en fout. Et en catégorie défenseur, est-ce qu'on pourrait pas recruter un bon gardien gratos? Putain, je connais pas les gardiens. Ter Stegen. Pas moyen. Non, il a toujours un bon contrat. Putain, les bâtards! Hop, en défenseur, parce qu'on n'a pas ce même genre de truc.
Ah. Ouais. Ouais. Je suis désolé, ça me dit rien, sinon. Je suis pas tellement le championnat. Championnat allemand. Papadopoulos. Papadopoulos. Ah là-bas. Il n'y a pas moyen de. Non. Ah là-bas. Ma type. Je regarde, hein. Je suis désolé, ça mettra un petit peu de temps, mais bon. Ça mettra un petit peu de temps, mais bon, j'aimerais quand même voir si c'est toujours intéressant de pouvoir choper des joueurs gratos. Enfin, gratos. C'est pas gratuit. Parce que ça te coûte du salaire que ça n'utilise pas encore. Draxler. Pas moyen de l'avoir gratos. Non, tu peux y aller. Tiens, d'ailleurs. Julian Draxler, on va l'ajouter. Ouais, mais l'expérience. C'est un tout petit peu cher. Au niveau du salaire. Je sais quoi qu'on a. Oh. Xakia, pourquoi pas? Ça aurait été sympa. Lui, non, il n'avait pas de. Quand le mec il te propose un truc comme ça totalement à n'importe nawak, là il faut dire non. C'est pas la peine. Denis Syrytchev, est-ce qu'on peut pas le récupérer? Moi, je vais faire juste pour la Bundes, tant pis. Allez, la Bundes, c'est la première ligue. Joselu, tiens. C'est le Joselu qui jouait à. Ah, oh, Magenis, tiens, c'est vrai qu'il est parti là-bas. Récemment arrivé, ça fait un moment qu'on l'a vendu, non? Blablabla, pas grand chose. Hein. On va aller juste regarder un petit peu les championnats principaux. Dries, ouais, je sais qu'il est pas mauvais lui. Lui, tiens, petite expiration de contrat. Il vaut un petit million, ça pourrait être intéressant. Ils sont malins quand même. Hein. Borini. Je connais pas ce garçon-là. Luc de Jong. Lukaku. Pas moyen. C'est lui qu'on pouvait déjà avoir, ça peut être toujours intéressant. Ça ferait un attaquant, encore un attaquant de plus. Merde, j'ai pas regardé pour le reste. Parce que oui, je me doute que si je mets tout, il va dire que. Ramsey, tiens. Abdul Razak, tiens. André Schürrle, non? Et bébé.
Coutinho. Oh, Coutinho, putain, ça fait cher. Ça fait cher, mais ça fait envie. Attends, y a pas moyen de faire une réattrib budget là. Ouais, non, c'est quand même ça. On peut avoir quand même beaucoup, mais pas à ce point-là. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être sympa. Un petit Coutinho. Wellington Silva, non, il a plus de. Victor Wanyama. Ah là là. Ils avaient pas de truc. Expiration de contrat, je me souviens plus si j'avais. Paul Pogba Arsenal, tiens. Scar, il est bon lui aussi. Ah, tu me diras, ils avaient quand même De Bruyne. Oh, De Bruyne expire son contrat. Putain, c'est trop cher. J'ai pas demandé de. J'ai pas demandé d'allonge de budget. Le mec, il commence à penser. Ça m'étonnerait qu'il me donne assez de budget pour que je puisse combler le salaire du garçon. Ouais, non, tant pis, tant pis, tant pis. Et de Nazar, pourquoi pas? Non, c'est trop cher. Denis Pachenko, pourquoi pas? 120 000, non. Ouais, Coutinho, ça aurait été sympa aussi. Ça aurait pu être jouable, ouais, mais on a combien de temps? On a que 5 heures. Ouais, tant pis, ouais. Edgar Sali, mais pourquoi vous voulez m'acheter Edgar Sali là? Ça y est, attends, Marseille qui a acheté tout le monde là. Non, 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 je garde Edgar Sali. Ah, oh, ça pourrait me donner quand même le budget nécessaire pour peut-être acheter un nouveau joueur. Ouais, mais c'est pas grave ça, on s'en fout. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, on a fait un. Je suis quand même satisfait du mercato, on n'a pas acheté beaucoup de joueurs. Mais on a acheté. Des grands joueurs. On a acheté des joueurs importants. On va dire ça comme ça. Edgar Sali encore. Mais vous pouvez pas m'acheter des. Enfin, prendre des jeunes en prêt là, bordel. Vous roulez sur Sali là. Les pauvres là, ils peuvent même pas. Ils peuvent même pas espérer quoi. Et voilà. Et c'est fini, le rapport mensuel sur les jeunes, la date de transfert expirée. On a dépensé 20 millions. C'est une fortune. Je crois que c'est la première fois que je dépense autant. Mais bon, il faut voir tous les avantages que ça apporte. On va jouer ce match contre Evian, Tonon, Gaillard. Du coup, j'ai dû prendre. Je dois être à la bourre. Parce que du coup, comme j'ai tripatouillé dans les menus pendant un petit moment, j'en suis désolé. Alors, Lacazette est fatigué, Zuber est fatigué. Chanusage, peux-tu jouer? Tu peux jouer que à droite. Allez, on va tester une nouvelle recrue. Chanusage, Malanda, et à la place de Zuber, on va mettre ce Berardi. Berardi ou Barcina? Berardi est censé être meilleur. Allez, et on va mettre monsieur Villalba devant.
Et on va éviter de mettre des gens qui sont fatigués dans les remplaçants. Voilà, Monsieur Zuber qui est fatigué, il va laisser sa place à Barcina. Et là, quand même, on a quand même une belle équipe. On a quand même une belle équipe. Ouais. On va tenter l'équipe comme ça. Contre du côté Ayanousage. J'ai peur que ça soit un peu léger niveau puissance, tout ça. Bon, je sais que c'est un joueur qui a un bon potentiel, donc... Ah, ça match de coupe, c'est vrai. Ah oui, il faut pas faire n'importe quoi. Allez. Et les Vian Tonon et de Gaillard. Bien joué, bonne récupération là. Putain, j'ai à peine le temps de faire mon contrôle et le mec déjà il a fait son tacle, il m'a piqué le ballon, il est allé plus vite que moi quoi. Bien joué, Ducasse. J'aime bien parce que ouais, ça c'est un truc qui tue à chaque fois. Marquage trop laxiste, attention. Oh, ça va rentrer. Allez, ça repart sur le côté. Premier ballon de... Ah non, j'allais dire de Yanusage. C'est pas le premier ballon de Yanusage, c'était Villalba. Eric Thiebi. Va partir en bas. Wow. C'était quoi cette ce ballon envoyé? Junior Malanda, numéro 37, il va falloir que je change ça. Ça fait un petit peu loin quand même, numéro 37. Tiens, dites-moi dans les commentaires, quel numéro pour Malanda? Dites-le moi, tiens, c'est le choix de la communauté. On doit revenir à l'avantage d'ailleurs là. On est censé revenir à l'avantage, monsieur l'arbitre. J'ai eu touché qu'une fois le ballon. La frappe de Milik, la frappe de Ducasse qui rentre à la 22e pour l'ouverture du score. Sur ce ballon qui revient sur Ducasse qui était bien placé. La frappe de Milik gêné. Et Ducasse qui récupère pour ouvrir le score. Ouais. Je pense que Malanda ce sera le remplaçant de Ducasse. Ouais, c'est propre ça. Allez pour Yanusage. La frappe de Yanusage, elle était pas mal. Le petit centre peut-être. Oula. Putain, quand on demande des passes comme ça, ils font toujours des trucs dégueulasses. C'est horrible. Non, c'était même pas pour là, quoi. C'était pour en bas, pour Yanusage. Ouais, ça va. Ah, c'est sorti, bien joué. De la part de Yanusage, tiens, qui a utilisé son physique. C'est ton salaire qui t'a donné envie d'avoir du physique. Et Villalba qui a bien résisté à la charge. Et on va lancer Junior Malanda parce que... La frappe de Malanda pour ce but. Premier match de Malanda. Et premier but de Malanda, la 37e. Sur ce guac défensif. Ouais, dites-moi dans les commentaires donc quel numéro pour Malanda. Il marque sur cette action et il confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action, on sent son expérience et sa classe. De préférence, un numéro qui n'est déjà pas utilisé, pas symbolique à un joueur. Villalba, il a beau être petit, tout ce qu'on veut, il arrive quand même à récupérer des putains de ballons. C'est incroyable. Le centre au second poteau pour... Non.
C'est dommage. Janusz qui est là. Il peut la bénézer. Ah, ça c'est bien cette talonnade. Cédric Mangongu. Ah, le ballon est perdu pour tout le monde là. Eric Thiemi. Ah. Donne-moi ce ballon. Bien joué Bernardi. Très très bon retour. Michel Nzache pour Malanda. Et Malanda pour Ligione. Ligione pour Villalba. Et Villalba qui va relancer sur Ligione. Qui a continué son appel. Très très bien joué de la part du garçon. Qui va lancer sur Junior Malanda. Le centre de Malanda. Qui est un petit peu court. Et la demi-volée de Ducasse. Et ce sera la mi-temps. La demi-volée de Ducasse qui était totalement involontaire, bien entendu. Et ça fait 2-0. Jean Duzas qui est déjà fatigué. Et là, il n'a pas d'endurance, le garçon. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Il faudra déjà revenir au score avant d'égaliser. Le principe, c'est toujours mieux. Un petit peu tôt le 1-2. J'aime bien les dégagements qu'ils arrivent à faire de dos comme ça. Je trouve ça toujours impressionnant. Un truc totalement improbable. Dans la vie, tu peux pas faire ça. Ouais, dommage. Ah, bien joué. Bien joué. Il a bien gêné le joueur. Il l'a empêché de passer comme il fallait. Allez, il est bien lancé, Villalba. Et il est parti. Large. Non, il n'était pas hors jeu. Alors, dès qu'il part sur le côté. Et ce sera le corner. Très bien obtenu par Berardi. Allez, Junior Malanda au corner. C'est un petit peu trop sur le gardien. C'est dommage. Oh là, Gunning qui avait sauté dans les pieds du gardien. Bien joué, c'était bien lancé ça dans la profondeur. Ah, c'est un petit peu long. Ah, dommage. L'attaque qui est stoppée, c'est peut-être pas fini. Une, deux. Ah, dommage. Il a bien suivi le défenseur. C'est un très bon ballon ça. Comment il a pu la récupérer quoi? Interception. Il est tellement petit qu'il a les pieds qui touchent pas les joueurs. Quand il fait des tacles, ça se sent pas en fait. T'as l'impression que c'est le vent qui te touche. On l'a bien vu Berardi là. On l'a bien vu. Berardi pour la frappe croisée. Oh là, Villalba, il a voulu mettre le pied mais il a pas mis le pied. Oh, le tampon quoi, carrément le tampon quoi là. L'arbitre c'est un vrai bâtard quand même. Hein. Bien joué Malanda. Putain mais. Mais ouais, c'est Milik qui récupère, Milik qui pousse. Mais Milik il va continuer. Milik qui s'avance, il est là le but ouvert et il marque tranquillement. Tranquillement, Milik qui marque. Et on va faire des petits changements parce que je vois que Milik est totalement mort. Et Januzaj aussi. On va faire entrer Monsieur Nimli qui ne joue pas très très souvent. Et je vois que Januzaj est fatigué. On va faire entrer Monsieur Xavi Chavaria. Et peut-être remplacer devant. Et mettre un petit Mopé devant. Mopé Nimli.
Allez, on change la paire d'attaquants. Et l'aile droite. Et ça fait 3-0. Putain, cette tête qu'il a. Pauvre garçon. Pauvre garçon. Ouais, mais c'est bon, ça va. 81e minute aussi, tiens. Ça va, attends, c'est Mopé quoi. C'est Mopé qui fait la charge quoi. Alors que vous découvrez une statistique sur le tir. C'est Mopé qui fait la charge et l'autre il dit oh, il y en a qui se serait écroulé. Pas déconner non plus. Allez, là il joue bien. Putain, Sandro, tu gardes le ballon quand même. C'est bien de garder le ballon. Ouh, le beau tacle de Ducasse. Il a fouetté le ballon du bout du pied. Il y aura 2 minutes, hein, 2 minutes de temps additionnel. Valencia. Bien joué, Romagnoli. En plus, il assure la relance. Et c'est fini. C'est la victoire 3-0 en Coupe de France contre Evian. Émilie comme du match grâce à son but. Merci d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Junior Malanda qui a fait un bon match. À très bientôt, j'espère. Allez, suivant. On est parti. On a gagné. On est où? On est là-haut. En haut à droite. Marseille a gagné. Grosse victoire de Marseille. Marseille, ils vont être encore plus durs à jouer. 175 000, ça fait toujours plus du bien. On est redevenu un club pauvre. Allez, on va faire juste se dépêcher de faire ce dernier match de qualification. Arsenal, Johnson devrait signer. Bah non, comment il peut signer? Comment il peut signer? Il est même pas en fin de contrat. Arrêtez de me faire peur comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a comme offre d'emploi, toi? Naples, tiens. Fiorentina. Allez. On va faire ce match. Ouais, on va voir comment on va faire. On va se tripatouiller ça. On va le faire jouer aux couleurs domicile, ça ira très très bien. Alors, Corchia est fatigué, donc du coup, ben, on met Debuchy. Alors, attends, qu'est-ce que tu m'as mis là? Sissoko, pourquoi tu m'as mis Sissoko? Clichy, il va pas bien, il est fatigué? Elle a toujours les flèches vers le bas, hein. Ça fait toujours plaisir, ça. Mandanda, pourquoi tu m'as mis Mandanda? Pourquoi tu ne mets pas Lloris? Mvila, Pogba. Ça me va bien. Ça va, ouais, on va dire que ça va bien. Omar, Ribéry, Cabella, Benzia. Ouais, ça va, tu vas te calmer un peu le sexe. On va se mettre Benzema. On va se mettre du Cabaye à la place de Cabella. Ça me paraît déjà être quelque chose de bien. Et à droite, on a personne. Attends, qu'est-ce que tu m'amènes qui en défense centrale? Rami Varane. Ouais, on va partir sur ça. On va partir sur ça. On va se mettre un petit Mangala ici. Griezmann, Cabella, Nasri. On va un petit peu se... Benzia. Commencer par un Giroud. Un petit Matuidi aussi, c'est important, hein, Matuidi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Nasri peut jouer sur les côtés, Cabella il ne peut pas. Matuidi,
c'est pour le centre. Griezmann peut jouer à gauche, il peut jouer aussi à droite. Et MOC. Et on a Giroud pour le centre, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, on va y aller comme ça. On va tenter le Ribéry en début de match. Benzema dans la poubelle. Merci de nous avoir rejoints. Allez. Pour ce match de poule. Franck Sauzet est à mes côtés. Bonjour Franck. Salut Hervé, salut à tous. On va tenter de faire un bon petit match. Le match s'annonce passionnant. Effectivement, mon petit Jean-Pierre, le match me paraît déjà être en bonne voie pour être assez intéressant. J'ai bien aimé l'appel de monsieur Aouma. Et celle-là, elle était belle. Le but de Cabaye à la sixième. Celle-là, elle était belle. Le centre tendu, en pleine surface. Et Cabaye qui est là pour mettre le ballon au fond des filets. Bien joué de la part des deux garçons. Le centre était beau. Le centre était beau. Allez. Je sais plus ce qu'on avait fait au match. Match d'avant, je crois qu'on les a déjà joués à la République tchèque. Hein. Non, ou alors c'est pendant l'Euro. Attends, il va vite, garçon là, il va vite. Ah, la pénalty. Ah ouais. Non, mais ouais. Pénalty, pénalty. Ah ouais, mais si on avait pris un but par ce garçon là. Ah, et c'est le but, c'est l'égalisation. Bon. Eh ben tant pis. Tant pis. On repart à 0-0. Tout est à refaire. Oula. Ribéry, qu'est-ce que t'as mangé pour me faire des passes comme ça là? C'est un petit peu court. Ribéry la frappe. Court vite hein, ces garçons là. Allez, prendre le couloir là-haut. On fait tomber les joueurs, on s'en fout. Bien joué, ça. Très très bon tacle, c'était qui, ça? C'est Ribéry. Il est plus blessé, tu vois. Wow, Ribéry qui prend un ballon de la tête. Allez, Cabaye pour Romain Aouma. Aouma qui se fait faucher le ballon dans la surface. Là, il aura dû récupérer le ballon à un moment. Allez, Pogba. Pogba. Pogba pour le centre. Second poteau. Mais le gardien était là. Non. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi il est allé courir là comme un glandu? Vas-y, voilà la transversale de l'infini. Ah, dommage. Dommage, parce que Benzema était bien placé. Allez, Aouma qui est revenu défendre. Bon, allez, le ballon qui est collé au pied du défenseur, bravo. Ça c'est beau ça, le ballon qui que tu le dégages, il se colle au pied de l'attaquant plutôt. Et c'est la République tchèque qui mène 2 buts à 1 sur un but un petit peu dégueulasse parce que là Aouma il a le ballon et puis il fait la passe et le ballon qui reste collé au pied de l'attaquant. On va se mettre en ultra off. Et maintenant je suis sûr que... Très très beau tacle de Cabaye. Allez, on est parti les enfants, on est parti. Le centre, peut-être second poteau, la tête de Benzema. Elle est au-dessus. Non, j'aurais peut-être dû faire la remise de la tête et pas la tête directe. Mais vu la qualité des passes de la tête dans ce jeu, c'était quand même un petit peu mal barré. Allez, Benzema. Benzema qui récupère un bon ballon. La frappe! Oh là là, mais Benzema.
Benzema, il est allé me faire du caca là. Ah! La frappe de Benzema, putain, mais c'est pas possible, hein. L'équipe de France qui obtient un corner. Allez, Debuchy, la tête et le but de Benzema. L'égalisation de partout. Le but de Benzema de la tête. Allez, place au ralenti maintenant pour analyser ce but un peu plus près. Excellent timing sur ce corner. Ouais. La bonne tête. Bon, c'était un peu le bordel dans la surface. Hein. Non, ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Autant le pénalty là, je dis pas. Parce que là, il est ultra net, on peut rien faire. Là, lui, je le sens bien dans la profondeur. Et voilà, même putain, mais. Voilà, défense automatique quoi. Et voilà, et c'est reparti quoi. Bon là non plus je peux rien dire. Mais là c'était clair comme de l'eau de roche. Putain mais ça aussi c'était pas net con. Mais quelle merde. La frappe. En tout cas j'ai un Lloris qui est pas du tout dans son match hein, parce qu'il m'a fait que de la merde hein. Parce que là sur le peu de choses qu'il a eu à faire mais... Il n'a pas fait grand chose de bien. Et c'est la mi-temps. 3 buts à 2. C'est mal parti pour le gagner celui-là. C'est mal parti. C'est un peu dégueulasse quand même. On devrait être qu'à 2 partout. Hein. C'est un but un peu cheaté. Du moteur physique du jeu totalement bizarre. Allez, pousse-toi. C'est mon joueur qui tombe. Quoi. C'est Cabaye qui tombe. Allez. Putain, mais ce qui est chiant, c'est que vous voyez, il se place mal en fait. Il n'y a aucun pressing là. Et là, là, il lui aurait passé à celui qui était en plein axe. Là, c'était mort. Là. On prenait le quatrième. Là. Putain, le mec, il se fait des autopasses quoi. Tranquille, le mec, il se fait des autopasses. Quoi. Benzema pour essayer de récupérer la balle. Non, mais c'est quoi cette passe, Benzema? La frappe! Et c'est le but de Benzema. La grosse frappe. Le 3 partout. Allez, on est dans la course. On est revenu dans la course. Et on va peut-être... voir faire des changements. Et Benzema qui se délecte hein, lorsqu'il s'agit de faire des raids au cœur de la défense adverse. C'est très compliqué vraiment de lui subtiliser le ballon sans faire faute. Et ben, Pierre Ribéry. Ouais, Ribéry qu'on ne voit pas beaucoup. Putain. Un match très serré, très tendu. Se font un peu plus pressant avec ce ballon. Franck Ribéry maintenant. Et ce ballon qui sort. Voilà, Franck Ribéry d'ailleurs qui va sortir. Parce que je le trouve pas très incisif sur ce match. En plus, il est déjà fatigué. Et on va faire entrer. Merde, Kabela était fatigué. Ah, c'est con ça. On va faire entrer Monsieur Griezmann à sa place. Et on va laisser ça comme ça après. Finalement. Même si Griezmann à gauche, vous savez bien que j'ai un petit peu de mal. Merde. J'ai fait un truc caca. J'ai fait un caca. Bon. Le centre est totalement raté, tu veux dire. C'est pas mal ce centre. Non, mais n'importe quoi. Fais gaffe parce qu'il va, il va la jouer vite. Hein. Benzema, oh non, Benzema, non mais tu te fous de ma gueule. Non mais comment tu peux rater un truc comme ça? Tu peux pas, il a juste à lui glisser, l'autre il se retrouve en face à face gratuit là. Qui donne
ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Allez, Amouma. Amouma qui perce. La frappe d'Amouma, elle était belle. Elle était belle. Il a bien percé dans la défense et il a failli se faire reprendre. Mais il a bien percé. Est-ce que nous on fait des changements? Non, c'est grave. Alors il change. En tout cas, c'est tout pour la gagne. Cabaye, Cabaye pour Varane, la tête de Varane, ça passe juste à côté. Allez, il faut pousser là encore. J'aimerais bien marquer un quatrième but. Bah, je me posais justement la question, Hervé, parce que pour moi c'était quasiment du 50-50. Putain, Griezmann qui, voilà, qui part du ballon. Il se casse, le garçon. Pas de physique, Griezmann. Hein. Allez, Clichy là, Clichy qui part sur le côté, il est tout seul. Le centre au second poteau. Pourquoi c'est allé me sélectionner le joueur qui était à 10 km derrière? Ça pouvait pas me sélectionner. Le joueur qui était le plus proche, forcément. Ça se voit qu'on est dans un jeu vidéo. Antoine Griezmann. Griezmann qui s'est ouvert le... Oh non, non, mais. Non, mais ils font exprès là. Ils font exprès là. Ils font exprès quoi les types. Parce que là il est là c'est but ça normalement. Putain, même si t'es un défenseur central, celle-là tu peux essayer de la mettre au moins quoi. Au moins la cadrer quoi. Alors j'ai des petits lags, je ne sais pas pourquoi. Benzema qui perd le ballon. Je sais pas si ça se verra sur une grosse baisse de framerate, bah ça s'est arrêté. Non, c'était pas pour là, c'était certainement pas pour là, putain, mais espèce de débile, réfléchis un peu là. Non, mais oh putain, Benzema qui se met le ballon, à, qui presque il donne le ballon au défenseur, quoi. 3 partout, on aurait dû gagner. Le deuxième but, là, de Vidra, il était un petit peu cheaté. C'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné, et c'est vrai qu'on les retrouvera avec plaisir pour la suite de la compétition. Tant pis. Tant pis. On est en égalité avec la Pologne. Ramon Azès qui veut. Non, mais je suis avec en sélection nationale. Je ne peux pas parler salaire. Sélection nationale. Ramon Azès qui veut parler salaire. On va faire ça vite fait et on va s'arrêter là. Azès. Que 7000 tu gagnes. 35000 carrément. Combien de temps? Il te reste 3 ans et 4 mois, mais tu vas attendre un peu alors. Tu vas attendre un peu, mon garçon. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Allez, on va aller jusqu'au match contre la Finlande. Et on va s'arrêter ici. République tchèque qui est 5e seulement. On a encaissé plus de buts que la Pologne, mais on en a marqué plus. On est à égalité de points, mais on est quand même assez devant. On est quand même assez devant. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, elle était un petit peu longue, encore une fois. Désolé, c'est Mercado, c'est toujours ça. C'est toujours pareil, de toute façon. Et donc, elle était un petit peu longue. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez eu le courage. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14 ou sur un autre jeu. Allez, ciao.